Salam, bienvenue sur Apsis et bienvenue sur DRTV International. On est très heureux de vous retrouver comme tous les samedis avec le même bonheur musical. L'émission c'est Rap City, présentée par votre humble serviteur chez Pil Frenchy depuis la place de Paris. La semaine dernière, ils étaient nos invités. On a reçu donc Fossoyeur, on dit avec donc Gaël. Ils étaient là en interview. Aujourd'hui, on va retrouver un artiste originaire du Congo Brazzaville. Donc, il nous offre en ce moment un mélange de coupé décalé et de R&B. Il sera là. C'est notre invité aujourd'hui en exclusivité au mois de mars. Il s'appelle Prince Gauthier. Il sera là dans quelques instants. C'est Prince Gauthier sur Rap City avec Chepi le Français. Je suis l'invité aujourd'hui. Ok, donc bienvenue sur Apsis. Je vous l'ai dit qu'on va retrouver donc cet invité, donc Bourré Talent, originaire du Congo Brazzaville. Aujourd'hui, il est là, il essaie d'évoluer calmement et sûrement. Il vient nous parler de ce nouveau projet en exclusivité sur Apsis en mars 2014. Il s'appelle Prince Gauthier Mascotte, enfant du Congo Brazzaville. Ça fait toujours plaisir de le recevoir. C'est pour la énième fois qu'on le reçoit. Donc nous, on lui souhaite une très bonne année. Bonne fête de Saint-Valentin et pour que cette année tout marche pour toi. Donc Prince Gauthier, un petit aperçu. Tu as commencé la musique en quelle année et aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as réalisé déjà et comment, quel est ton bilan de l'année 2013, qu'est-ce que tu as fait en 2013 et qu'est-ce qu'il a de prévu en 2014, Prince Gauthier? Alors, en 2013, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait beaucoup de showcases, j'ai beaucoup tourné avec les titres que vous avez pu écouter et voir, bien sûr, Chocolat Youpi et Consort, C'est pas des LOL, à Calébor, tout ça, j'ai beaucoup tourné. Pourquoi? Parce que j'avais déjà préparé le titre Afrocalypse, en fait. Grâce à ça, les gens ont beaucoup aimé ici, vraiment, vraiment beaucoup. Donc grâce à ça, j'ai tourné plus que d'habitude. Et j'ai eu l'occasion de faire découvrir ce que j'ai pu faire avant. Et beaucoup tourné, une chose en entraîne une autre. Fin d'année 2013, ça a été fait sciemment. J'ai fait le clip Afrocalypse avec Dikoko Bukungu, le réalisateur, pour 2014. Une fois fini, on a donné le clip à David Monceau pour qu'il le mette sur B-Black Africa. Et maintenant, depuis le mois de janvier, ça tourne là-bas en boucle et j'en suis fier, je suis content. Et voilà. Maintenant, j'oubliais, j'ai aussi fait le featuring avec Manu Le Boss, Gangnam Style, Koudour. Version Koudour plutôt, qui a très bien marché. Avec ça aussi, on a beaucoup tourné. Donc voilà, tourné, bon, quand je dis tourné, c'est beaucoup de showcase en France, un peu partout dans le sud, dans le nord, jusqu'en Allemagne et qu'on sort. Donc voilà, maintenant, ça s'est très bien passé. Et je souhaiterais vous le faire regarder. Donc vous allez le voir sur Rap City. Vous allez savourer le son Gangnam Style sur Rap City et découvrir de quelle chauffe je me bois. Beaucoup sentir, BKS toujours. Donc Prince Gauthier, on aimerait savoir, donc, est-ce que tu as un groupe à Brazzaville? Parce que tu as des danseurs qui répètent régulièrement à Brazzaville. Tu as un groupe à Brazzaville ou c'est juste des amis qui t'aident quand tu es sur Brazzaville pour quelques showcases? Ou tu as un groupe qui est basé à Brazzaville, Prince Gauthier? Oui, groupe de danse. J'ai un groupe de danse, bien sûr. Donc je salue Cheng. Cheng Casquito qui a dansé dans le clip Choco Choco d'ailleurs, de Trésor Mvula, que je salue. Et voilà, il y a Turbo, il y a Chico, il y a Scorpion. Bon, si je dis tout le monde après, c'est long, mais il y a des danseurs qui sont là-bas. Groupe de danse essentiellement. Maintenant, quand c'est les musiciens, ben, comme on fait d'habitude, hein, connexion, on les voit et on les paye et puis on bosse ensemble. Même si ce sont des amis, mais voilà, tout travail mérite salaire, comme on dit. Donc Prince
que tu sais, qu'on le veut ou pas, tu es un enfant d'Extra, t'as dansé dans les clips de ton grand frère Quentin Moyasco, t'aimes vraiment Extra, t'as grandi avec la musique d'Extra Musica. Normalement, Extra Musica devait livrer un grand concert le samedi dernier, donc le 22 du mois passé, du mois de février, mais le concert était annulé. Mais toi, en tant qu'un enfant d'Extra, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de retrouver Extra Musica au grand complet après 20 ans, les frangins se retrouvent. Toi, en tant qu'enfant d'Extra, qu'est-ce que ça te fait? T'as un mot à dire? Ça te fait quoi, Prince Gauthier? Honnêtement, de les revoir tous ensemble, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche vraiment. J'aurais souhaité être là. Si possible, même pourquoi ne pas être avec eux? Même si je chante pas ou je danse pas, mais ne serait-ce que les assister, parce que ce sont mes grands frères, ce sont mes yaya. Donc moi, je les soutiens à distance et je les ai toujours soutenus. Et en plus de les soutenir, je suis un fan d'Extra Musica. Pourquoi? Parce que voilà, je suis beaucoup inspiré par eux. Et il n'y a pas que moi qui ai été inspiré par eux. La plupart des musiciens, enfin DJ aujourd'hui, sont inspirés par eux. Donc voilà quoi. Mais beaucoup de bonnes choses plutôt à Extra Musica. Que Dieu protège ce groupe. Et voilà, que ce soit de mon vieux Quentin, que ce soit de mon vieux Roga, que moi, j'ai pas de parti pris. Les deux, je les aime bien, je les aime beaucoup. Et que Kizak, il continue à aller de l'avant. Ok, donc on va suivre ton clip, le clip qui est sur mon téléphone que je suis tout le temps. Je te dis précisément à qui ton clip? À tout le Congo, toute l'Afrique d'abord. Et à tout le Congo, parce que le Congo c'est mon pays, et je suis fier d'être là-bas. J'ai pas de personne précise à dire, mais j'ai le Congo en particulier à dire. Donc, big dédicace à vous, mes frères congolais. Ok, donc ensuite ton clip c'est maintenant, le titre, tu nous rappelles le titre? Afro-Calypse, qui veut dire bienvenue dans mon univers afro. Ok, c'est maintenant Prince Gauthier sur Rap City, à tout de suite pour la suite de l'interview. Rap City. Tout ce qui ne tue pas un homme le rend plus fort. Je m'appelle Prince Gauthier Mascotte. À consommer sans modération parce que j'ai trop de goût. Featuring Maître Oxygène et Monsieur Diallo. Salam alaikum alaikum andakana. C'est moi. Oh yeah, Magali Poedi. Hey, yaya, je t'aime. Papa, je t'aime. Mama, je t'aime. Afro-Calypse, je t'aime. Yaya, je t'aime. Papa, je t'aime. Mama, je t'aime. Afro-Calypse, je t'aime. DJ Sam, le numéro 1 de Paris. Le Cameroun t'adore. Voilà. Le Bondongo, le mignon garçon de Yaoundé. DJ Chris. Sentir. Ok, ouais.
Mike Edo Crap, si c'est continu sur DRTV International, on suivait à l'instant le clip donc de Prince Gauthier Mascotte, qui est notre invité aujourd'hui en exclusif. Je rappelle, artiste originaire du Congo Brazzaville, qui évolue ici en France calmement et sûrement, l'un des meilleurs danseurs de sa génération. Et aujourd'hui, donc, il a opté pour le chant. Et donc, première question, juste après le clip, comment t'arrives à gérer le chant et la danse? Parce qu'à la base, t'es un grand danseur. T'as dansé avec plusieurs artistes, on ne citerait pas les noms, la liste est longue. Mais comment Prince Gauthier, ancien, on peut dire toujours danseur, arrive à mélanger les deux et le chant et la danse? Comment t'arrives, Prince Gauthier? Oui, en fait, la danse, allier la danse, la musique et le chant, tout ça, bon, ça va de pair. Hein. Aujourd'hui, c'est une formule inévitable, pardon. C'est, si tu chantes, il faut savoir danser, il faut avoir des notions en musique. Même si on ne joue pas, mais on peut avoir des idées pour des mélodies et autres. Mais la danse, ça va de pair. Parce qu'aujourd'hui, c'est obligé pour les spectacles. Si tu ne sais pas danser, tu viens seulement, tu brailles, ce n'est pas bien. En plus, dans le style que je fais, c'est un style dansant. Donc si moi-même, je fais un style dansant et que, comment dirais-je, je ne sais pas danser, je ne suis pas du tout crédible. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Rap City. Et donc, Prince Gauthier, on aimerait savoir comment s'est fait la rencontre avec Nicki B. Vous êtes rencontrés où? Par le biais des réseaux sociaux, par internet ou par un voyage ou en studio? Comment vous êtes rencontrés avec Nicki B? Comment c'est arrivé et comment était l'ambiance au studio quand vous avez réalisé le morceau? Et le clip, ça se prépare? C'est pour quand? La fin du mois de mars, début avril, c'est pour quand le clip déjà? Alors, ma rencontre avec Nicki B, ça a été fait par mon ancien manager qui aujourd'hui est redevenu mon manager. Donc, François-Xavier alias FX. Donc, c'est grâce à lui que j'ai connu Nicki B. Pourquoi? Parce que c'est aussi le manager de Nicki B. Voilà, tout simplement. Maintenant, moi, vous connaissez les artistes, hein, on est trop têtus, on n'écoute pas. Je suis parti à gauche, à droite, et puis au final, on se dit que là où on était au début, c'est là où c'était bon. Donc, je suis revenu. Et voilà, on a fait le titre It Wasn't Me, c'était pas moi. Et je vais tourner avec lui sur ce titre. On sera pas tout le temps ensemble parce que là aussi, c'est ça, c'est tourné à faire, c'est showcase à faire. Et mais de temps à autre, on sera ensemble. De temps en temps, plutôt, on sera ensemble. Mais comment était l'ambiance au studio? Comment ça s'est passé? C'était fait de jour, de nuit? Comment était l'ambiance au studio? Ça vous a pris combien de jours? Ambiance très festive. Très festive et très jamaïcaine, américaine. Parce que lui, c'est un gars des States, hein, on va se dire. Il vit à Miami, en Jamaïque. Donc voilà, et il vient de temps en temps en France. D'ailleurs, aujourd'hui, il est actuellement en France et je pense, je crois, s'il nous fait la surprise, vous le verrez dans l'émission, il pourra vous faire une petite impro en direct. Non, l'ambiance était plutôt cool, c'était bien, bon enfant. Moi maintenant, j'avais tout approuvé puisque Nicki B, grand artiste qui a déjà confirmé, moi je suis là aussi, mais je devais lui montrer de quoi je suis capable, même si on est dans, entre guillemets, avec le même manager, quoi. Mabina, mabina, mabina. Tout le monde mabina.